بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc on fait une bonne intention à Allah Ta'ala dans le fait de s'entrer dans le bien, dans l'apprentissage de la science de la religion, et on fait une bonne intention à Allah Ta'ala dans l'application de la parole de Allah Azza wa Jal. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. C'est-à-dire, et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Et on continue, inshallah, dans le chapitre des impuretés. Alors, qui c'est juste qui peut me rappeler? Bien sûr, vous répondez que si vous savez. C'est quoi le jugement d'une chose si elle est coupée d'un animal vivant durant son vivant? Elle a le même jugement que son cadavre. Elle a le même jugement que son cadavre, d'accord? Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est rapporté de Abu Waqid al-Laythi, que Dieu l'agrée, qu'il a dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. Ça, c'est un hadith qui est apporté par Abu Daoud, par Tirmizi, et c'est un hadith qui a été jugé Hassan par Tirmizi, et c'est le terme de Tirmizi quand il rapporte le hadith, c'est ça la formule qu'il a rapportée. Ma qutira min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Ma qutira min al-bahima wa hiya hayyatun fa huwa mayyit. C'est-à-dire, ce qui est coupé de l'animal, de la bête, alors qu'elle est vivante, alors c'est le jugement du cadavre. C'est bon? Ce qui est coupé de la bête tandis qu'elle est vivante est comme un cadavre. Ça veut dire que c'est le jugement du cadavre de cette même bête-là. C'est clair, j'avais dit la fois dernière que c'était marqué dans le hadith, donc là c'est le hadith. Et beaucoup de jugements qu'on a cités, c'est dans les hadiths. Après, comme on a vu, il y a des choses qui ont été déduites également dans des textes. Qu'est-ce le hadith? Également le hadith de la mouche, c'est: « Il avoir qu'arrête vous bas vous fichera bi ahadikum falyarmisuhu fuma liyanzarhu fa inna fi ahadi janahayhi da'un wa fil akhar shifa. » C'est-à-dire, si la mouche, elle tombe dans votre boisson, dans la boisson de l'un d'entre vous, alors qu'il la noie, donc quand il va la noyer, il va la tuer, et à la base, le cadavre est impur pour les mouches, d'accord? Puis qu'il la ressorte du récipient, car certes, il y a dans l'une de ses ailes une maladie et dans l'autre la guérison. Ça, c'est un hadith qui est apporté par Al-Bukhari et Abu Daoud. Et dans la version d'Abu Daoud, il a rajouté que le prophète, alayhi salam, il a dit: wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. C'est-à-dire, certes, la mouche, quand elle tombe dans l'eau, en général, elle tombe du côté de l'aile dans laquelle il y a la maladie. C'est-à-dire, quand la mouche, elle tombe dans le récipient, elle tombe du côté de l'aile qui a la maladie. D'accord? Ça, c'est un hadith rapporté par Abu Daoud, d'accord? Et At-Tirmidhi. Donc, ça, c'est parmi les preuves, Yannick, que les savants citent pour les jugements religieux. Et donc, qu'est-ce qui fait exception aux parties de l'animal et qui ne sont pas impures comme son cadavre? Hein? Alors, l'animal comestible. Sa laine. Ouais. Sa chaleur, sa transpiration.
sa salive, transpiration. Alors pour la salive, il y a un hadith qui est rapporté de Ramar, fils de Kharija, que Dieu l'agrée, qui a dit: Khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimina, wa huwa ala rahilatihi, wa lu'abuha yasilu ala katifi. C'est un hadith qui est rapporté par Ahmed Mohambal, par Tirmizi, qui l'a jugé sahih. Ça veut dire que Ramar, fils de Kharija, que Dieu l'agrée, c'est un compagnon du prophète, il a dit: le prophète nous a fait un discours à Mina. Vous savez, quand tu fais le pèlerinage, tu vas de Mina, après tu de Muzdalifa à Mina, et il y a dans les endroits du pèlerinage, c'est recommandé que le calife ou la personne qui accompagne les gens, il fasse des discours, d'accord, à Arafat, etc. Donc là, le prophète l'avait fait un discours, et le prophète l'a fait le Hajj, et puis il avait une monture dans le pèlerinage, une monture qui était modeste, et comme c'est rapporté dans Al-Bukhari, le prophète, il a fait que le Hajj une fois, hein. Il a dit Allahumma hajjan bila riya, ou comme il a dit alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire: oh Allah, je te demande un pèlerinage dans lequel il n'y a pas d'insincérité. C'est-à-dire que sa monture, c'était genre un âne ou un truc comme ça avec de la paille sur lequel il était assis, alors que c'est le meilleur des hommes. Et c'est comme s'il disait: bah, moi, j'accepte d'être sur cette modeste monture, moi je veux un hajj sans insincérité, je veux pas que les gens fassent mon éloge, j'ai pas envie que. Ça montre que le prophète alayhi salam était modeste. Le prophète, il est monté sur l'âne, il est monté sur le cheval, sur le chameau. Et donc là, il faisait un discours sur sa monture. Et il y avait un compagnon qui était à côté de la monture du prophète, et il a dit: la salive de la monture du prophète, elle dégoulinait sur mon épaule. D'accord? Donc si c'était impur, le prophète lui aurait dit: mets-toi pas là, ou. D'accord? Parce que c'est interdit de se souiller avec les impuretés. Là, c'est parmi les hadiths qui prouvent que la salive de l'animal comestible, parce que la monture, le chameau, le cheval, ça, ces animaux qui sont comestibles, leur salive, elle n'est pas impure. D'accord? Pareil pour les plumes aussi, vous en rappelez, les poils, la laine, tel que cela. Et donc aujourd'hui, inshallah, on va voir que la najasa, elle est de deux catégories. Alors ça, c'est une autre classification de najasa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa najasatu imma hukmiyatun wa imma ayniyatun. Alors najasa, elle est soit hukmiya, soit ayniya. Alors, hukum en arabe, c'est le jugement. Vous vous rappelez quand je vous disais c'est quoi le jugement de telle chose pour les substances, vous vous rappelez? Ça ne veut pas dire est-ce qu'il est musulman ou pas musulman, ou est-ce que c'est permis, interdit. Le jugement, quand on parle de jugement dans certains sujets comme la purification, des fois ça va dire est-ce que c'est pur ou impur. D'accord? C'est quoi le jugement du sang, par exemple? Je veux dire c'est impur. C'est quoi le jugement de l'eau? C'est pur. C'est clair, mon tout le monde? Donc, des fois, il y a des impuretés, mais comme elles n'ont plus de goût, plus d'odeur, plus de couleur, on ne les voit plus. En fait, l'endroit, il est toujours souillé par l'impureté, mais l'impureté, on la voit plus. Donc, en fait, on dit que c'est une impureté du point de vue du jugement. Ça veut dire que l'endroit, il a le jugement d'être souillé par une impureté. Donc, on l'appelle najasa hukmiya. Najasa, c'est l'impureté. Hukmiya, dire du point de vue du jugement, c'est impur, mais toi, concrètement, tu n'arrives pas à voir l'impureté où est-ce qu'elle est. Mais, selon le jugement de Allah, et selon la croyance des Shafiris, cet endroit-là, il est impur. Parce que vous avez rappelé, c'est quoi l'élément qui purifie dans l'école du Shafiri? C'est l'eau, d'accord? Et on a vu qu'il y a beaucoup d'arguments dans la religion qui prouvent que le purificateur, c'est l'eau. Ceux qui se rappellent certains arguments qu'on avait cités. Qui prouvent que le purificateur dans la religion, c'est l'eau. C'est pas le vent, c'est pas le soleil, c'est pas. Dans l'école de Chaféry, si un enfant, il a uriné sur ton balcon, et après, avec le soleil, l'urine, elle s'évapore, avec le vent, il n'y a plus l'odeur de l'urine, puis il reste plus rien de l'urine, tu vois plus rien de l'urine. Dans l'école de Chaviré, on considère que le balcon, il est toujours souillé par l'urine. C'est clairement tout le monde, ça que ça veut dire. Mais comme on ne voit plus où l'urine où elle est, on dit que c'est devenu une impureté selon le jugement. C'est-à-dire que ça a le jugement d'impur, mais il n'y a plus le volume de l'impureté. C'est clairement tout le monde, ça. Ça, c'est des concepts dans la religion, que le prophète, ils ont déduit des paroles du prophète, etc. Donc apprenez-le, parce que ça, c'est utile dans la religion. Quand c'est une impureté dans ce domaine-là, c'est très facile à enlever. Et après, tu as l'impureté rainia, ça veut dire que son volume est toujours présent. Tu vois encore sa couleur, ou tu vois son odeur, ou tu vois. Tu comprends la différence? Pourquoi je dis ça? Parce que chez les hanafites, par exemple, si tu laisses l'urine dehors, et ça sèche, ça s'évapore, avec le vent et le soleil, il reste plus rien de l'urine, pour les hanafites, l'endroit, il est purifié. Ils considèrent que l'air, le soleil, tout ça, avec le temps, bah, même s'il n'a pas plu dessus, l'endroit, il redevient pur. Dans l'école de Chaféry, c'est pas le cas. C'est clair, et la précaution, c'est de suivre l'école de Chaféry dans ce cas-là. C'est clair, ça veut dire que cet endroit-là, si tu veux faire la prière sur le balcon, il y avait l'urine à cet endroit-là qui n'a pas été éliminée avec de l'eau, bah, ta prière ne sera pas valable, par exemple.
C'est clair, on te montre ce que je dis là. Donc c'est pour ça que des fois, l'impureté ne se voit plus, parce qu'elle a séché, ou elle s'est évaporée comme ça, mais malgré ça, tu devras quand même purifier l'endroit, cette impureté-là. C'est pareil pour les habits. Des fois, si quelqu'un met de l'alcool sur son habit, l'alcool, il va s'évaporer rapidement. Quand tu vois l'habit, t'as l'impression qu'il est propre. En réalité, dans l'alcool de Chaféry, il est impur. Parce qu'il y a de l'alcool qui est allé dessus et t'as pas été lavé avec de l'eau. Donc ça, c'est des jugements importants à savoir. C'est-à-dire que l'impureté, elle est soit perceptible, soit imperceptible. Mais en arabe, c'est pas ça qu'il dit. En arabe, hukmiya, c'est-à-dire qu'elle a le jugement d'impureté, même si concrètement, on la voit plus. Et soit les rainis, il y a rain en arabe, ça veut dire l'œil, ça veut dire aussi la source d'eau, ça veut dire aussi la substance de la chose, le volume de la chose. Donc dans le chapitre de la purification, quand les savants ils parlent de rain et de najasa, ça veut dire l'impureté dont on perçoit le goût, l'odeur et la couleur. C'est-à-dire que et des fois, ça veut dire le volume. C'est clair, donc c'est une impureté, tu la vois, tu peux la voir, la percevoir par les sens. C'est clair, mon tout le monde? Donc il y a combien de catégories d'impureté selon ce classement-là? Deux, d'accord. Ça, c'est marqué dans vos livres. Donc on va détailler chacune des deux, Inch'Allah. Y a ni le prophète, alayhi salam, quand le bédouin il a uriné dans la mosquée, qu'est-ce qu'il a ordonné le prophète? Qu'on verse un seau, Zanoub Minalma, ça veut dire un seau rempli d'eau. D'accord? Bah, si la terre c'était suffisant, le prophète leur aurait dit, bah, laissez le sécher au soleil et quand ce sera évaporé, pour refaire la prière à cet endroit-là. Ou alors il aurait dit, mettez de la terre dessus, il sera purifié. Le prophète l'a pas dit ça. Il a dit aux compagnons, ramenez un seau rempli d'eau et versez-le dessus. Ça prouve que s'il y avait autre que l'eau qui purifiait, le prophète, il aurait pris une autre solution. Parce que renverser de l'eau dans la mosquée, c'est pas non plus, le plus facile aussi. La mosquée, à l'époque du prophète, c'était de la terre, hein, qu'il y avait dedans. Donc ça, c'est parmi les preuves qu'il n'y a que l'eau qui purifie. Si on ne trouve pas d'eau dans le voyage, qu'est-ce qu'il dit Allah Ta'ala? Falam tajidu ma'am fatayammamu. Si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum. C'est-à-dire que le tayammum, le fait de faire avec la poussière de terre pour remplacer le wudu, ça, tu peux le faire que si tu trouves pas d'eau. Que si tu as une excuse. Donc, si la terre, dès le début, elle purifie comme l'eau, eh ben, on n'aurait pas besoin d'excuse pour utiliser la terre pour se purifier. On aurait eu le choix. Or, on n'a pas le choix. C'est l'eau qui purifie. Si tu n'as pas d'eau, là, après, tu vois comment tu fais. C'est clair, mon tout le monde? Ça, c'est retenez le sec, ces arguments-là, vous les trouvez dans les gros livres de savants. Hein. C'est pas dans les livres pour débutants, à la base. Donc, notez-les. C'est pas tout le temps que vous aurez des arguments exprès pour vous faire plaisir, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, les gens, ils parlent tous de leur tête ou ils disent tout et n'importe quoi. Personne ici qui dit vrai machin, etc. Juste pour vous montrer que ce qu'on enseigne, les savants, ils l'ont tiré des textes. Juste pour que vous, votre cœur, il soit raffermi et que vous soyez heureux d'apprendre la religion et savoir pourquoi c'est comme ça. C'est clair, on va pas faire ça pour tout, j'ai de la religion, mais c'est bien aussi de savoir des fois certaines choses. Faut pas que les gens, ils croient, oui, vous sortez d'où ça, Najasa, Hokmiya, Ainiya, etc. C'est ça, apprendre la religion. La plupart des gens à notre époque ne savent pas c'est quoi apprendre la religion. Ils savent pas c'est quoi la science de la religion. Et c'est pas c'est quoi un cours de religion. Plus apprendre la religion, c'est apprendre des histoires, apprendre des trucs qui ne servent à rien du tout dans la religion. La plupart des gens, c'est ça. Ils n'apprennent pas la religion. Ils vont écouter une histoire sur tel prophète ou tel truc ou machin. Au point qu'il y a des gens aujourd'hui, si tu connais beaucoup d'histoires, ils croient que tu es un cheikh. Ça n'a rien à voir. Et les trois quarts des histoires sur les saints, elles sont fausses. Et l'histoire des prophètes, tu as plein d'histoires qui ont été falsifiées à notre époque. Apprendre la religion, c'est faire ce qu'on fait nous. Et même si quelqu'un veut devenir un soufi, s'il n'a pas appris ça, il sera jamais un soufi. Même si quelqu'un il dit, oh, moi je préfère faire du zikr, devenir un saint, etc. Mais pour devenir un saint, il faut avoir appris ça avant. Ça que la voie du juste milieu, tous les savants, ils sont passés par ça. Il n'y a pas un savant dans le monde, que ce soit n'importe quelle école, une jurisprudence, ils ont tous passé par le même chemin que vous. Tu t'assois et t'apprends la purification, la prière, etc. Il n'y a aucun saint, aucun vertueux qui a évité ce chemin-là. Et c'est le seul vrai chemin véridique pour la religion. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien aussi, parce qu'en France on est un peu déconnecté aussi, un peu tout et n'importe quoi. Et apprenez comment on apprend la religion. Et ça, c'est des choses qui sont connues dans les pays musulmans, mais en France les gens ils sont totalement à côté de la plaque pour la religion. Donc retenez ce sujet-là, et ça c'est pas des arguments que dans l'école de Chaféry. Il y a des choses aussi que les malikites citent, il y en a ils le savent ici, chez les hanafites aussi, etc. Mais après il y en a ils ont d'autres arguments aussi. Si tu trouves quelqu'un qui te dit non, si ça sèche au soleil et que ça s'évapore et que le vent il passe dessus et l'impureté on la voit plus, c'est purifié, tu vas pas dire ah Ouzoubillah, t'es mécréant, t'as contredit la religion. Ça c'est des avis chez les Hanafites, c'est bon. Que nous on n'applique pas dans l'école de Chaféry parce qu'on n'a pas trouvé que ces arguments-là ils étaient authentifiés comme d'autres arguments qu'on cite là. Donc Aman Najasatul Hukmiya. أما النجاسة الحكمية فهي التي زالت عينها وأوصافها فيطهر المحل بجر الماء عليها. Donc l'impureté
Donc ça, c'est marqué dans vos livres. L'impureté hukmiya qui est imperceptible, c'est celle dont il y a plus à son volume, plus les caractéristiques. C'est quoi les caractéristiques de l'impureté? C'est qui va me le dire? C'est trois choses. Goût, couleur et l'odeur. Alors quand on dit le goût, on avait posé la question la dernière fois, pourquoi on cite le goût? C'est dans quel cas de figure que le goût il est pris en considération? Est-ce que nous on a le droit de goûter une impureté à la base? Non, non, alors comme pourquoi il cite le goût là? Quand c'est dans la bouche, par exemple, Très bien, dans d'accord. Parce que là c'est dans le cas par exemple si t'as une impureté dans la bouche. Si quelqu'un par exemple il a le goût du sang dans sa bouche, et bien il sait que sa salive elle est impure par exemple. Pourquoi? Parce qu'il perçoit le goût du sang ou du pus, etc. Mais quand on dit le goût, ça ne veut pas dire que le musulman il doit goûter son tapis, est-ce que le truc il est toujours là ou pas. T'as compris ou pas? Ça veut dire là on parle. Non mais c'est important, comme ça il y en a, ça fait 20 ans qu'ils apprennent, ils n'ont jamais su pourquoi on disait le goût. Donc les savants ils disent le goût, c'est dans le cas où l'impureté est dans ta bouche. Si ta salive, elle a été souillée par du sang, toi t'arrives à voir ta salive dans ta bouche, est-ce qu'elle est rouge ou pas? T'arrives à le voir? Tu fais comment? Après tu as des moyens comme miroir ou tu craches ou machin, mais des fois tu peux pas savoir. Là, ici comment tu as, par exemple le pus, comment tu vas savoir que ta salive elle est pas pure? Parce que tu ressens le goût de la najasa dedans. C'est clair, mon monde? Donc des fois, ce qui te permet de savoir qu'un najasa est là, c'est par le goût. Des fois, c'est par l'odeur et des fois, c'est par la couleur. Donc l'impureté hukmiya, c'est celle dont il n'y a plus aucune caractéristique. Alors, ni y a, parce que des fois, il reste l'odeur, par exemple, ou des fois, il reste que la couleur, ou des fois, là, on parle, il reste plus rien. C'est-à-dire, quand tu regardes l'endroit, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Et comme toi, tu sais qu'il y avait une impureté qui était là, qui n'a pas été éliminée avec de l'eau, tu sais que cet endroit-là, il est souillé. C'est bon? Alors je vous renvoie à la toute première règle qu'on avait fait au début du chapitre, vous en rappelez qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'il n'y a pas de d'impureté avec le doute. Donc si tu vois un tapis qui est propre, tu sais, tu connais pas l'historique du tapis, tu vas pas dire ah qui me dit qu'il n'y a pas une impureté imperceptible, Hukmiya ici, qui a pas été. Non, d'accord? Là on parle de quelqu'un, lui, il sait qu'il y avait de l'urine sur le tapis parce que c'est son bébé qui a uriné là, il sait que ça a séché, et du coup il sait que ça n'a pas été purifié, donc il est sûr que le tapis il est impur. On parle de ça. C'est bon? Mais après, toi, à la base, si tu connais pas l'histoire de l'objet, tu sais pas qu'est-ce qui arrive à l'objet, si tu vois qu'il est propre, tu juges qu'il est pur. C'est clair, là, on parle de quelqu'un, il sait pertinemment qu'il y avait une impureté qui n'a pas été éliminée. Et pour les termes employés, on ne dit pas purifier une impureté. On dit éliminer une najasa ou une impureté, ou purifier un endroit. On ne dit pas je purifie la najasa, parce que la najasa, elle est impure. C'est clair? Donc, si tu veux parler de l'endroit, tu dis tu purifies l'endroit de l'impureté. Si tu veux parler de l'impureté, tu dis tu élimines l'impureté. Si tu regardes, l'arabie amazayakul, izalatun najasa, la yakul, tatwiran najasa. Ou le tatouir le mahal ou izalatun najasa. Soit tu dis tu purifies l'endroit ou alors tu élimines l'impureté. Dans vos livres c'est marqué éliminer, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous n'avez pas le livre? C'est marqué dans vos livres. Ça fait peur, hein, vous suivez pas ou quoi? En français c'est marqué. Azalat. Ah, ils n'ont pas traduit le mot azalat. Bon. Donc après il dit quoi? L'endroit il est purifié par le fait de faire couler dessus. Alors l'impureté quand elle devient hukmiya, c'est très simple. Comme elle n'a plus aucune caractéristique, tu as juste à faire couler dessus de l'eau et l'impureté est éliminée. C'est bon? Pas besoin de frotter, parce que comme elle est déjà plus perceptible, c'est juste que de l'eau il coule dessus, l'eau elle va même pas être altérée par l'impureté, parce que l'impureté tu la vois plus, elle est plus perceptible. C'est en fait, c'est juste un jugement en fait, c'est devenu un jugement, c'est devenu quelque chose d'abstrait. C'est-à-dire concrètement, tu la vois plus l'impureté. Le simple fait que l'eau s'écoule dessus, on considère que l'endroit il est purifié. C'est clair, mon monde, ça? C'est pour ça que si par exemple tu as un bébé qui a uriné sur un tapis ou t'as des selles qui sont tombées sur le sol, etc. Le prophète, alayhi salam, quand le bédouin il a uriné sur le sol de la mosquée, il a demandé qu'on verse un seau rempli d'eau. Et c'était de la terre la mosquée, donc c'était facile, tu renverses l'eau dessus et après la terre elle boit le truc. Mais des fois, tu as une impureté, et puis c'était de l'urine aussi. L'urine va partir avec l'eau. S'il avait fait les selles, les excréments, là, même si tu verses un seau d'eau, ça va pas tout faire partir d'un coup. C'est clair? Donc quand c'est des impuretés qui sont difficiles à éliminer comme ça, c'est pas directement tu verses l'eau dessus. Parce que tant que l'impureté est toujours présente, l'eau qui la touche, elle va devenir impure aussi. Donc tu es en train d'élargir l'impureté. Comprenez ce que je veux dire? Si un enfant, il fait caca sur le sol, ou un chien, avec caca sur un trottoir, un truc comme ça, et toi, tu verses un seau d'eau dessus, mais ça n'a pas tout enlevé. L'eau qui a touché le caca, elle est devenue impure aussi. Et du coup, ça a agrandi l'impureté. Là, maintenant, toute la flaque d'eau qui est autour, elle est aussi impure. Jusqu'à qu'il ne reste plus rien de... N'est-ce pas qu'à Paris, des fois, avec le karcher,
karchérise les trottoirs, etc. Pour considérer que le trottoir est purifié, il faut qu'il enlève tout avec le karcher. S'il reste encore des substances impures, et ben l'eau qui a touché ça, elle est devenue impure aussi. Donc il a élargi l'impureté. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si tu arrives ça chez toi dans ta maison, tu vas pas inonder ta maison d'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'impureté qui reste. Qu'est-ce que tu fais avec un sopalin ou tel que cela? Tu enlèves le gros de l'impureté. T'enlèves, tu éponges par exemple. Si c'est liquide, si c'est solide, bah tu enlèves. Tu frottes le sol avec le mouchoir ou le sopalin, de sorte que tout soit sec, on ne voit plus rien. Tu transformes l'impureté en quelque chose d'imperceptible. C'est bon? Si ton enfant il a uriné par terre et t'as une flaque d'urine sur le sol, tu pars avec un gros seau d'eau et tu le verses sur l'urine et pour peu que t'as manqué, il reste un peu d'urine, du coup ben l'eau elle a pas tout enlevé, donc du coup ça a élargi l'impureté, et du coup maintenant tu te retrouves avec une grosse flaque d'eau mêlée à l'urine, donc là toute cette flaque d'eau elle devient impure aussi, donc t'as élargi le truc, c'est une galère. Pourquoi tu te compliques comme ça? Il suffit juste que l'urine, soit tu ouvres la fenêtre, tu laisses sécher au soleil, ou avec des sopalins, bien sûr, sans toucher directement avec la peau, parce que l'urine c'est haram, d'accord, que ce soit chez les manikites ou les chaféride, de toucher l'urine directement avec la peau, c'est un grand péché. Et c'est parmi les causes les plus courantes du châtiment de la tombe. L'urine, d'accord, pourra le toucher avec la peau directement. Donc tu mets un gant, si tu veux éponger avec du sopalin, c'est comme ça, tu mets un gant pour éviter que ta peau elle touche l'urine. Faire attention à ça. Autre que l'urine, faire plaisir à William, autre que l'urine, chez les manikites, t'as le droit de toucher. C'est bon? C'est impur, hein. Directement avec la peau, autre que l'urine. Mais pour l'urine, ça c'est la pire des impuretés. D'accord, l'urine. Ça, t'as pas le droit de te souiller avec la peau. Et dans l'école de chaféerie, quelle que soit l'impureté, t'as pas le droit de la toucher avec la peau. De te souiller avec. C'est clair, mon tout le monde? S'il y a des selles, ou de l'urine, ou du vomi, etc., t'as pas le droit de mettre ta main dedans, par exemple, ou de le toucher, ou de t'en mettre sur ton corps, etc. Volontairement. C'est clair, mon tout le monde, ça? Donc si ton enfant il a fait caca, tu prends pas avec la main directement ou le pipi, etc. Et ça c'est des bonnes choses aussi parce que de plus en plus l'hygiène ça commence à se perdre chez les musulmans malheureusement. La religion elle nous apprend à être propre. D'accord? Et ça fait partie de la religion de savoir comment on se purifie soi-même et comment on purifie notre maison, etc. Parce qu'il y a plein de gens aussi quand ils font l'istinja, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de faire couler l'eau sur l'orifice et de frotter en même temps, il met l'eau directement dans sa main et après l'eau qui est dans la main, il la plaque sur l'orifice. Mais du coup, ton eau dans ta main, elle rentre en contact avec l'impureté, elle devient toute impure. Donc tu es en train d'agrandir l'impureté en fait. Donc il faut apprendre comment on purifie. Si tu veux éliminer une impureté juste avec de l'eau, eh ben, tu dois faire couler l'eau et l'impureté elle part avec l'eau, donc il ne reste plus rien. Donc par exemple, si tu as un trottoir où il y a un excrément dessus et que tu veux enlever, purifier le trottoir avec un tuyau d'eau par exemple, avec un karcher, bah faut que tu restes sur le truc en train de karcheriser, et l'eau elle part, elle part, elle part, jusqu'à qu'il y a tous les morceaux qui s'en vont et qu'il reste plus rien. Il faut que l'eau elle coule la nuit. C'est-à-dire que l'impureté elle part en même temps que l'eau elle circule sur elle. C'est clair mon tout le monde ça? Et c'est pour ça que là, après l'impureté elle sera partie. C'est pas de l'eau qui stagne la nuit. Donc c'est pour ça que le plus simple pour pas utiliser trop d'eau, bah, si tu as par exemple un excrément, qu'est-ce que tu fais avec un sopalin ou un papier machin? T'enlèves le truc, tu le jettes. Après, le reste, tu le frottes avec un sopalin, etc. De sorte qu'il reste plus rien. Ton parquet ou ton sol, il est devenu quasiment propre juste en frottant avec du papier. Et là, comme l'impureté, elle a plus de volume, elle a plus de caractéristiques, bah là, tu prends un verre d'eau, tu verses dessus, c'est fini. Et t'as pas inondé ton salon, t'as pas inondé ta maison, et c'est simple. C'est clair? Et c'est même pas une condition de verser de l'eau. Parce que pour que la purification soit valable, il faut que l'eau elle coule. Et quand on dit que l'eau elle coule, c'est-à-dire que l'eau elle circule sur la surface que tu veux nettoyer. C'est pareil dans le wudu, si c'est bon, dans les ablutions. Faut que l'eau elle circule. Pour que l'eau elle circule, t'es pas obligé de mettre beaucoup d'eau. Si quelqu'un il prend une serpillière et la trempe dans le seau d'eau, je parle dans l'école de chaféerie, hein. Une serpillière, il trempe dans de l'eau non mélangée avec du savon, parce que c'est pas l'eau savonneuse qui purifie, c'est l'eau tout court. Et cette serpillière-là, elle est imbibée d'eau. C'est-à-dire, il l'a pas essoré à fond, elle est imbibée d'eau, elle est remplie d'eau. Et que toi, avec la serpillière, tu la fais passer comme ça sur l'impureté et que l'impureté elle disparaît, on considère que l'eau elle a coulé sur l'impureté. C'est-à-dire, quand tu veux purifier chez toi, t'es pas obligé d'inonder ton salon, ta cuisine, etc. T'es pas obligé de verser de l'eau directement, tu prends un seau d'eau, tu verses, après t'as une grosse flaque d'eau dans ta cuisine, par exemple. Si tu prennes une serpillière qui est suffisamment remplie d'eau pour que l'eau elle circule, et après tu passes la serpillière et ton sol il est à peine mouillé. C'est clair? Et je parle d'une serpillière imbibée d'eau. C'est pas une serpillière, tu l'as essorée totalement, elle est juste un peu humide et tu la passes.
C'est-à-dire que c'est clairement tout le monde, et c'est pareil pour les ablutions aussi ou le roussoul. Quand tu fais la purification, c'est pas une condition que tu laisses ton bras sous le robinet comme les trois quarts, j'ai envie de dire, les 99% des gens à la mosquée, ils font le wudu comme ça. À dire qu'ils laissent le robinet ouvert et Allah, il met tout son bras dessous le robinet comme ça, mais les gens, ils n'ont pas compris comment on fait le wudu en fait. Le prophète, alayhi salam, faisait le wudu des fois avec un seul moud, avec l'équivalent d'un petit bol d'eau. Tout son wudu avec les sunnahs. Parce que l'eau, tant qu'elle reste collée à ta peau, elle reste purifiante. Tu mets quelques gouttes d'eau dans ta main et après avec ta main tu l'étales comme ça, tu peux faire presque tout ton bras. Avec le robinet éteint, etc. Normalement, si tu fais bien le wudu, le sol il est même quasiment pas mouillé. Tu prends juste ce que tu as besoin dans le creux de ta main, tu prends un peu d'eau, tu fais ça, tu l'étales sur ton bras. T'as même pas besoin de te sécher le bras à la fin du wudu. Parce que tu as tellement utilisé peu d'eau que le truc il sèche en 5 minutes. Ça, ceux qui prennent v'là de l'eau comme ça pour laver le visage, après ils laissent le robinet ouvert, ils mettent son bras dessous, etc. Ces gens-là, ils n'ont pas appris. Et si tu gaspilles l'eau au point que ça a une valeur marchande, d'ailleurs toute l'eau qui tombe à côté de ton bras, elle n'est pas utilisée pour le voodoo, donc c'est du gaspillage. Et celui qui gaspille l'eau dans le voodoo, il n'a aucune récompense dans son voodoo. Et s'il n'a aucune récompense dans son voodoo, ça veut dire qu'il a très peu de récompense dans sa prière. Et si c'est l'eau de la mosquée, c'est haram, parce que gaspiller de la mosquée, c'est haram. Et il doit rembourser l'eau à la mosquée. Il ramène l'équivalent de l'eau qu'elle a gaspillée à la mosquée. Et s'il est chez un musulman et que le musulman il n'accepte pas qu'on gaspille son eau, c'est aussi haram. Et si quelqu'un il est chez lui mais que l'eau qu'il gaspille elle aurait une valeur marchande, c'est-à-dire qu'il dilapide comme ça de l'argent, c'est aussi haram. Donc faire attention à ça, Yanni. Il y a des gens, ils n'ont pas appris, du coup, ils sont dans l'outrance en fait. S'il veut purifier un truc, il va noyer toute sa maison, il veut faire son voodoo, il faut une piscine, faire le wudu, etc. Ça, s'ils avaient appris, l'eau, tant qu'elle ne s'est pas détachée de ton membre, elle reste purifiante. C'est-à-dire que la même eau, si tu as mouillé la partie droite de ton visage, après l'eau qui est sur ton visage, tu l'étales sur le côté gauche, ton côté gauche, il devient purifié aussi. Parce que l'eau, bien sûr, il faut une quantité d'eau qui soit conséquente, c'est pas juste humide. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Bah, c'est pareil, quand tu veux purifier un endroit d'une impureté, c'est pas une condition que ce soit une cascade d'eau qui coule dessus. Tu prends une serpillière, tu la trempes dans le seau d'eau, tu l'essores un tout petit peu pour qu'il y ait trop d'eau, et après tu la passes sur l'impureté. Bien sûr, on parle d'impureté hokmiya qui va partir directement avec l'eau. Sans verser de l'eau, tu fais passer la serpillière par-dessus et le sol il est purifié. C'est clairement tout le monde ça. Ou une éponge bien imbibée d'eau, tu la fais passer dessus et le truc qui disparaît, bah, on considère que c'est purifié. C'est-à-dire que quand on dit que l'eau elle coule dessus, ça veut dire forcément que tu verses un récipient d'eau dessus. Mais après, si c'est une najasa qui a un gros volume et qu'il faut beaucoup d'eau pour l'enlever, bah dans ce cas-là, on l'enlève pas d'abord avec le lot. Enlève le volume avec du papier ou un truc comme ça, même si ça purifie pas. Mais tu lui enlèves le volume de sorte que tu amoindris l'impureté et après, le reste, tu le fais couler l'eau dessus. Tout le monde a compris ça? Ça, c'est parmi les choses les plus importantes de la purification. Et beaucoup de gens n'ont pas appris. Après, ils ont plein de waswas, ils font du n'importe quoi, etc. Surtout ceux qui ont des bébés, ça, bah, sache comment tu fais. Si c'est de l'urine sur le sol, par exemple, soit tu fais sécher. Et une fois que tout est sec, que l'urine, on la voit plus, tu verses de l'eau dessus. Ou alors, si c'est si la moquette, par exemple, si c'est un sol qui est lisse, bah avec même une serpillière, mais après tu la laves parce qu'elle sera impurifiée, là, elle sera souillée, la serpillière aussi. Mais tu éponges l'urine, tu le vides dans le lavabo, ou tu fais avec du sopalin, tu jettes le sopalin. Et après, bah, une fois qu'il reste plus rien sur le sol, tu vois plus rien, qu'est-ce que tu fais? Et bah, tu t'as juste à verser de l'eau dessus et le truc il est purifié. C'est clair? Et verser l'eau, c'est pas vaporiser de l'eau. Parce qu'il y a des sœurs, qu'est-ce qu'elles font? Elles récupèrent le pchit là qui fait des petites gouttelettes comme ça là. Les armes, quand elles purifient à sa maison, elles pchitent comme ça avec l'eau sur les impuretés. Mais pchiter, c'est pas faire couler de l'eau. T'as compris ou pas? C'est-à-dire que faire le pchit comme ça avec. C'est pas des petites gouttelettes d'eau qui vont tomber sur le truc et elles vont devenir impures et être en train de détailler l'impureté. T'as compris ce que je veux dire ou pas? Sauf si son truc qu'elle vaporise, ça fait une grosse quantité d'eau et après l'eau elle coule. C'est clair, quand on dit faire couler de l'eau, c'est que l'eau elle coule. C'est pas quelqu'un il vaporise de l'eau dessus par exemple. Comme cette sainte sœur elles font. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois ils utilisent des trucs pour les plantes, pour humidifier les feuilles. Là t'as un pchit comme ça. Ou les trucs quand tu fais chaud là, les trucs évian, machin, les bombes là. Ça envoie de l'eau. C'est pas avec ça que tu vas purifier. Ça purifie pas. Parce que ça en arabe on appelle ça rush. C'est-à-dire c'est le fait de faire goûter de l'eau. Des petites gouttelettes, c'est bon. Ça, on le verra pour un autre chose. Ça peut marcher pour d'autres trucs, mais pas pour éliminer l'impureté qu'on parle en ce moment. C'est clairement tout le monde couler de l'eau, ça veut dire soit tu verses quelque chose dessus, soit avec un tuyau, tu fais verser de l'eau dessus avec un tuyau d'arrosage, tout comme ça,
Ou soit tu prends une serviette bien humide ou un truc qui est imbibé d'eau et tu le fais passer comme ça manuellement ou avec un balai par-dessus. Mais il faut qu'une quantité d'eau, elle coule dessus. Soit toute seule, l'eau elle coule, ou soit avec une raclette par exemple, tu pousses l'eau et comme au bled, ce qui est bien. C'est pour ça que chez les musulmans, tu vois, qu'ils ne vivent pas du tout comme les non-musulmans. Je sais pas, c'est dans tous les pays musulmans. Et moi, quand j'étais dans les pays du Cham, tu as des bouches d'égout dans la maison. C'est le truc vraiment intelligent. En France, ils n'ont jamais l'idée de faire ça, Yannick. À dire que quand ils veulent laver la maison, bah ils versent de l'eau sur le sol et avec des raclettes, ils poussent l'eau et dans la salle de bain, dans la cuisine et machin, t'as des petites bouches d'égout. Ça veut dire que si tu veux purifier le sol de ta maison, eh ben t'as des évacuations d'eau par terre en fait. Ce qui est super pratique. Alors qu'en France, si tu verses de l'eau dans ton salon, t'es obligé de tout éponger, essorer dans un seau, et tu galères parce qu'il n'y a pas d'évacuation d'eau par terre. Ça montre que les musulmans, avant, c'est des choses qu'ils savaient. Hein. Donc si quelqu'un, il a versé de l'eau avec une raclette, il pousse l'eau comme ça, et l'eau, elle va sur l'impureté, et l'impureté, elle disparaît, ça compte aussi. C'est clair, mon tout le monde? C'est pas forcément tu verses un récipient d'eau dessus. Et donc ça veut dire que si tu as bien appris la religion et que tu veux éliminer l'impureté, t'as pas besoin de noyer tout ton tapis ou ta moquette ou machin. C'est juste que tu amoindrit au maximum l'impureté et après tu prends juste une éponge pleine d'eau par exemple et tu la passes sur l'impureté et le truc si l'impureté elle est totalement disparue ben c'est suffisant. Donc c'est pour ça que l'impureté du point de vue du jugement comme elle n'a plus aucune caractéristique visible, le simple fait que de l'eau s'écoule dessus, même si c'est une éponge remplie d'eau, tu la passes dessus, ben, le truc il est purifié. C'est clair? On dit pas l'impureté est purifiée, on dit l'endroit est purifié ou l'impureté est éliminée, d'accord? Il n'y a que deux types d'impuretés qui peuvent se purifier, c'est lesquelles? C'est la peau de l'animal quand il est tanné Et là, et l'alcool quand il se transforme en vinaigre. Je dis ça parce que c'est marqué dans vos livres, on va le voir à la fin du chapitre. Trois quarts de ce que je dis, c'est marqué dans le livre. Tout le monde a compris c'est quoi Najasa Hukmiya? Donc c'est qui peut me dire hein, c'est quoi Najasa Hukmiya? Le point de jugement. une perception. C'est quoi la définition? C'est l'impureté qui est. C'est ce qui est impur selon le jugement de Dieu, en gros, qui est impur selon le jugement de Dieu. Dans ses caractéristiques, elles ont disparu. Voilà, c'est l'impureté, nos Jugement, écartés qui ont l'impureté. disparu, on voit plus son goût, ni son odeur, ni sa couleur. C'est bon? Parce que toutes les impuretés sont impures sans jugement de Allah. Là, on est justement en train de dire il y a des impuretés qui sont Hukmiya et Ainiya. Tout le monde a compris ça? Des fois, vos traductions en français, c'est pas mot à mot ce qui est marqué en arabe, mais juste on trouvait un terme en français pour exprimer l'idée, d'accord? Hukmiya en arabe, ça veut pas dire imperceptible, d'accord? Ça veut dire que ça a le jugement de l'impureté. Mais comme tu la vois plus. C'est impur sans que tu la voyes. Akmil wa amman najasa. وأما النجاسة العينية فإن كانت بول طفل عمره أقل من حولين لم يأكل سوى حليب أمه فيطهر المحل برش الماء على المكان الذي أصابته النجاسة حتى يعم المحل ويغمره وإن لم يسل لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه أبو داود. Alors si maintenant on va voir l'impureté rainiya, c'est-à-dire quoi le rain? Hein? Rain, ça peut être l'individu lui-même. Mais là, quand on parle de rain pour l'impureté, ça veut dire quoi? Non, c'est pour ça que je vous ai dit que vos traductions, prenez ce que moi je vous dis et vous lisez pas simplement ce qui est marqué dans le livre. On a expliqué c'est quoi le rain tout à l'heure. Pour l'impureté. Ça veut dire la perception. C'est le volume. Ça veut dire le volume. Quand on dit Najasa Rainiya, c'est Najasa qui a un volume, c'est bon? Perceptible, imperceptible, c'est pas marqué en arabe, c'est bon? C'est juste qu'ils ont trouvé un terme en français pour vous faciliter. Mais à la base, Najasa, on l'a expliqué il y a 3 secondes ce truc-là. Najasa Rainiya, ça veut dire une impureté qui a un volume, qui a un rain. Et Najasa Hukmiya, c'est une impureté qui a plus de volume, mais qui a le jugement de l'impureté. Parce qu'on la voit plus physiquement, mais selon le jugement de Allah, dans l'école de Chaféry, notre croyance à nous, c'est que la chose est encore impure. C'est clair, mon tout le monde? Et le hukum, c'est le jugement, et la rain, c'est le volume. Ça veut dire que quand on dit najasa hukmiya, c'est une impureté selon le jugement. Ça veut dire que au niveau du volume physiquement, on la voit plus, l'impureté. Elle n'existe plus en tant que volume, c'est bon? Mais elle a le jugement d'impureté. C'est clair? Alors que najasa rainiya, c'est une impureté volumique, entre guillemets. Rainia, c'est-à-dire qu'elle a un volume.
C'est-à-dire qu'on l'aperçoit encore. C'est bon? Après, dans vos livres, c'est marqué perceptible, non perceptible, c'est pas grave. Mais vous, notez l'explication. Pourquoi on explique le livre? C'est pour que vous compreniez les termes. C'est clair? Donc là, on va parler maintenant des impuretés qui ont un volume. Alors, tu vois encore la couleur de l'impureté, tu vois son volume, tu vois sa taille, etc. Donc là, à la base, on avait dit que ce type d'impureté-là, on l'élimine en versant de l'eau dessus. C'est clair, mon tout le monde? Et dans ces impuretés-là, il y a l'impureté du chien et du porc qu'on a déjà vu dans les cours précédents, qu'on va revoir, Inch'Allah, dans le chapitre-là. Mais sachez qu'il y a une exception. Tout à l'heure, on a parlé du vaporisateur, vous vous rappelez? J'ai dit en arabe, ça roche. Et que ça, c'est pas considéré comme un lavage. C'est parce que l'eau, elle s'écoule pas dessus. C'est juste des gouttelettes comme ça, des gouttelettes qui vont être vaporisées ou qui vont être comme ça épandues sur l'endroit. C'est clair, mon tout le monde? Donc là, l'auteur, rahimahullah, comme beaucoup de savants, il parle d'une exception qui est l'urine du petit bébé qui a moins de 2 ans. C'est clair? Alors là, il y a une exception parce qu'elle est rapportée dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est que Umm Qais, elle avait un petit bébé qui avait moins de 2 ans. Un petit garçon, c'est bon? Umm Qais, c'est une femme compagnon. Elle avait un petit garçon qui avait moins de 2 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a ramené au prophète, alayhi salam. Et pour que le prophète, il prenne dans ses bras tout ça. Donc le prophète, il a pris le petit bébé dans ses bras. Et tandis que le bébé, il était dans les bras du prophète, le prophète, il l'a fait asseoir, yani. Et c'était un petit bébé, il n'avait jamais mangé de la nourriture, il avait juste allaité, c'est bon? Ça, l'allaitement en islam, c'est 2 ans maximum. Après, il n'y a plus d'allaitement, c'est marqué dans le Coran. C'est bon? Et donc, tandis que le prophète, il avait fait asseoir le petit bébé sur lui, eh ben, ce bébé, il a uriné sur l'habit du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est bon? Et comment allaitait ce bébé? Qu'est-ce qu'on a dit? Il avait quel âge? C'était un petit bébé qui avait moins de 2 ans et qui n'avait pas encore mangé de la nourriture normale, il avait juste bu du lait. C'est clair, mon tout le monde? Donc le prophète l'a fait asseoir dans ses bras. Et donc, le bébé, comme c'est un bébé, dans le passé, il n'avait pas les couches, il avait les linges, il lingeait le bébé avec des tissus, etc. Le bébé, il a uriné, c'est bon? Et donc, le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on lui apporte de l'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste pris l'eau et il a égoutté comme ça. Il a aspergé l'endroit qui est souillé par l'urine du bébé, mais sans verser l'eau dessus, juste en aspergeant comme ça avec des gouttes tout l'endroit. C'est bon? Et il n'a pas lavé son habit. Tout le monde a compris? Je répète, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim que la femme compagnon qui s'appelait Umm Qais, elle avait un petit bébé qui avait moins de 2 ans et qui avait seulement allaité jusqu'à maintenant. Et pour la baraka, etc., parce que le prophète, alayhi salam, les compagnons, ils leur ramenaient leurs enfants. Le prophète, des fois, il faisait des doras pour le bébé ou des choses comme ça. Le prophète, il a fait asseoir le bébé, il l'a assis dans ses bras. Et tandis que le bébé, il était dans ses bras, le bébé, il a uriné. C'est bon? Donc, l'habit du prophète a été souillé par l'urine du bébé. Donc, à la base, ce qu'on a appris, c'est que si le prophète, il veut prier dans cet habit-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laver l'habit avec de l'eau. D'accord, il va enlever son habit et le faire couler l'eau dessus, etc. Or là, entre guillemets surprise, c'est pas ce qui s'est passé. Le prophète, il a demandé qu'on lui apporte de l'eau et il n'a pas versé l'eau directement sur le truc. Il a juste pris l'eau. Après, je sais pas comment il fait avec la main ou autre, je sais pas. Mais il a fait goûter l'eau dessus. En fait, il a aspergé. C'est pas, il a fait 3 gouttes. Il a. De quoi est-ce que je veux dire? Il a pchité l'eau en fait dessus. Tout l'endroit qui a été touché par l'urine et il n'a pas lavé son habit. Donc, à partir de ce hadith-là, qui est sahih, qui est rapporté par Al-Bukhari Muslim, et les hadiths rapportés par Al-Bukhari Muslim sont les plus forts hadiths dans la religion après les hadiths mutawatir, s'il est à la fois rapporté par Al-Bukhari et Muslim, par les deux chers. Les deux chers dans le hadith, c'est Al-Bukhari et Muslim. Eh ben, les savants, ils ont déduit que, donc, si un bébé, garçon, c'est pas une fille, c'est un garçon, donc si un petit garçon bébé, qui a jamais rien mangé encore, ce n'est le lait de sa mère. C'est bon? Il urine. Eh ben, si tu veux purifier l'endroit de l'urine du bébé, ce n'est pas obligatoire que tu verses de l'eau sur l'endroit. Il est suffisant que, on dit tarushulma, que tu asperges avec des gouttes d'eau l'ensemble de l'endroit qui a été souillé par l'urine du bébé. C'est clair, mon témoin? Et ça, c'est pas pour la petite fille, c'est juste pour le petit garçon. Alors les savants après ils ont trouvé des raisons pourquoi? Bah parce qu'en général il y a plusieurs raisons parmi elles
C'est que les savants, ils ont dit, par exemple, que le bébé, quand c'est un garçon, en général, les gens, ils ont plus envie de le prendre, ils le prennent plus souvent dans les bras. Donc, il y a plus de risques que l'enfant, il urine dessus que la petite fille. Et aussi parce que l'urine du petit garçon, elle est fine et légère comparée à l'urine de la fille. L'urine de la fille, même si elle est bébé, elle est comme l'urine de la femme adulte. Alors que le petit garçon, quand il est bébé, quand il urine, c'est pas, l'urine, elle n'est pas aussi épaisse, si on peut dire ça, que l'urine quand il est adulte. Elle est plus fine, l'urine du bébé. Garçon, c'est clairement tout le monde? Et en plus, comme il n'a rien bu autre que le lait, les savants sont restés sur ce qui est marqué dans le hadith. C'est clairement tout le monde? Bah après, si tu verses de l'eau dessus, tant mieux. Mais c'est pas obligatoire. Alors bien sûr, c'est pas l'urine, t'as la flaque d'urine et t'arrives avec des gouttes d'eau dessus, ça y est, c'est purifié. C'est-à-dire que l'urine, imaginons, il a séché, c'est bon. Il n'y a plus rien qui peut s'en détacher. Une fois qu'il est sec et que y a rien qui, y a pas des portions d'urine qui peuvent se détacher, y en a, tout est parti, tout est séché. Et ben là, qu'est-ce que tu fais? Normalement, tu aurais dû verser l'eau dessus pour faire purifier l'endroit. Ben là, c'est suffisant que tu prennes de l'eau avec ta main. Bon, tu trempes ta main dans le récipient et tu asperges des gouttes d'eau comme ça, mais l'ensemble de l'endroit qui avait été souillé. C'est-à-dire que tu remplis en fait tout l'endroit souillé par l'urine avec tes gouttes d'eau. C'est pas juste tu fais comme ça trois gouttes d'eau, ça y est, c'est purifié. Non, c'est-à-dire que tu asperges en fait. Alors si tu as un pchit comme ça, tu pchites sur l'ensemble de l'endroit qui était touché par l'urine. C'est clairement tout le monde. Là, dans ce cas de figure, oui. Là, ma soeur, tu peux prendre ton pchit d'eau et pchiter dessus jusqu'à remplir l'ensemble de l'endroit où il y avait l'urine. C'est clairement tout le monde. Et ça, c'est que pour l'urine du petit bébé qui a moins de 2 ans et qui n'a bu que du lait. C'est clairement tout le monde. C'est pas pour toutes les impuretés. C'est ça que concentrez-vous dans les cours et notez, je sais pas, une fois une soeur, elle a entendu ça et après, elle a peut-être imaginé que pour toutes les impuretés, elle peut pchiter dessus. Ça marche pas, d'accord? Sauf si ton pchit, c'est pas que des petites gouttes, mais c'est une grosse quantité d'eau qui sort et que l'eau elle coule, là c'est bon. Là je parle que ça vaporise juste comme ça des gouttelettes d'eau. Ça c'est pas suffisant. Et je parle pas non plus des trucs, c'est pas la fumée qui sort du petit, quoi, c'est des gouttes d'eau, quoi, c'est pas juste des petites vapeurs d'eau. C'est clair, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Il y en a, ils ont pas compris ce que j'ai dit. Donc pourquoi? Donc il y a plusieurs hadiths. Et donc, c'est-à-dire que c'est pas une condition que l'eau, elle coule comme ça, elle circule sur l'urine pour la faire disparaître pour le petit garçon. Même si l'urine, elle a séché tout ça, et après toi, t'asperges de gouttes d'eau l'ensemble de l'endroit que c'est par l'urine. Même si l'eau, comme ça, elle tombe sur l'endroit qui était souillé, c'est tout. Elle a pas coulé, elle a pas circulé dessus. Ça reste valable. Parce que pour l'urine du petit garçon qui a moins de 2 ans et qui a rien mangé autre que le lait de sa mère, eh ben, c'est suffisant pour considérer que l'endroit est purifié. Parce que c'est comme ça que le prophète il a fait. Et après, ne me demandez pas pourquoi ou machin, etc. Des fois, parce que le prophète nous a dit que c'est comme ça, on le fait, parce qu'il y a une sagesse que Dieu sait. Après, toi, tu sais pas, ben, un jour, tu sauras peut-être. Moi, quand j'ai pris ce livre-là, la première fois, c'était en 2006 ou 2007, je l'ai pris en lecture. Hein, on m'a jamais expliqué le quart, le dixième de ce que je vous expliquais, comment on fait maintenant. Donc, vous attendez pas qu'on va voir tout à chaque fois, etc. Et comprenez que le cours qu'on fait là, il est très détaillé quand même. Et qu'il y a plein de gens, ils n'ont pas pris le livre comme ça. D'accord? C'est juste que, comme on ne va pas le refaire tout le temps, et pour aussi qu'il y a des gens aussi, ils ont peut-être pris déjà ce livre avant, et ça les intéresse de savoir certains arguments. Et donc, ceci, c'est en raison du hadith du prophète, alayhi salatu wa salam, qu'il a dit Yursalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam, rapporté par Abu Daoud. Donc c'est le hadith qui est dans vos livres. Ça veut dire on lave l'endroit qui est souillé par l'urine. Al-jariya, ici, ça veut dire la petite fille, c'est bon. De la petite fille. Et on asperge d'eau l'endroit qui est souillé par l'urine du petit garçon. C'est bon? Alors comment on sait que c'est un petit garçon qui était un nourrisson, tout ça? Bah t'as le hadith de Umm Qais aussi qui. Enfin, quand il arrive, bah, c'est marqué où? 2 ans dedans, c'est pas marqué, il a vu que du lait, etc. Oui, mais mon frère, il n'y a pas que ce hadith-là dans l'école, c'est bon? Là, c'est un hadith parmi d'autres. Après les arguments, il y en a d'autres. Donc il y a le hadith rapporté par le Bukhari Muslim que Mourqais, elle a ramené son petit bébé. Et donc là, c'était un garçon, etc. Alors quand on dit il n'a rien mangé autre que le lait, ça ne veut pas dire dans l'absolu. C'est bon? Mais les savants, ils disent Lam yakul ala jihati taradhi. Parce que c'est quoi parmi les sunnas quand le bébé est né? Qu'est-ce qu'on fait au bébé quand c'est parmi les sunnas? Ouais. On fait ce qu'on appelle la tahnik.
Ça veut dire que tu mâchouilles une petite datte, tu prends une datte, tu la mâchouilles, tu la mastiques. Tu donnes pas la datte au bébé, il va s'étouffer. C'est bon. Tu prends la datte, tu la mâchouilles, c'est bon. Après, vous vous rappelez, j'avais dit que c'est pas sale de mâchouiller un truc et après de le donner à ton bébé ou tout comme ça. Et après, ta salive va se mélanger avec le sucre de la datte, ça va un peu liquéfier la datte. Qu'est-ce que tu fais avec ton doigt? Tu prends cette salive-là qui a été datisée, entre guillemets, et tu vas la passer dans la bouche du bébé. Tu frottes ses gencives comme ça avec ton doigt, il a pas de dents, le bébé, continue. Ses gencives comme ça, n'aie pas peur, moi je l'ai déjà fait à l'hôpital, il n'y a pas de souci. Tu fais ça et après tu laisses un peu le bébé téter le doigt. C'est trop mignon, t'aspires le doigt comme ça. C'est-à-dire qu'il a même pas encore allaité de sa mère, rien du tout. Hein. Le premier truc qu'il a consommé dans sa vie, c'était ça. Mais ça, c'est sunna. Alors c'est recommandé qu'un homme vertueux le fasse, parce qu'on espère que le bébé il prend de la baraka de cet homme-là. Et comme la première chose que le bébé l'a goûté, c'est quelque chose qui est sucré, eh ben on espère que ce sera un présage qu'il aura un bon comportement. C'est-à-dire que ça agit sur le comportement du bébé. Parce que la première chose qu'il a goûté, c'est quelque chose qui était sucré. C'est bon? C'est ce qu'on appelle la technique. Si t'as pas de datte, tu fais avec autre chose qui est sucré, par exemple du miel. Par exemple. Tu mets pas le miel directement sur le miel pour les bébés, c'est. Faut absolument le diluer. Ouais, c'est. Tu mets du miel dans le biberon, tu mets une goutte de miel dans son biberon, par exemple. Dans l'ensemble du biberon. Le miel, c'est trop fort hein, pour le bébé. C'est bon? On parle de miel, t'as dilué dans ta salive, etc. Juste un peu sucré, et tu passes avec sur les gencives du bébé. Et tu laisses un peu téter son doigt. C'est clair? Ça, c'est sunna, et le prophète, il le faisait aussi. D'accord? Il y a une histoire comme ça qui est rapportée dans le Sahih de Muslim et d'autres, qu'il y a Anas, c'est le serviteur du prophète, alors, les salam. Sa mère, elle s'appelle comment, Anas? Umm Sulaym, c'est bon? Et le mari d'Umm Sulaym s'appelle Abu Talha. C'est les Ansar, d'accord, de Médine. En fait, Umm Sulaym, pendant que son mari était absent, elle avait un petit bébé, c'est bon? Un petit garçon. Et en fait, tandis que son mari était absent, son bébé, il est décédé. Et en fait, elle a craint que si elle dit directement ça à son mari, il va être super triste. C'est un petit garçon en plus, etc. Et du coup, il n'aura pas envie à nouveau d'avoir un enfant. Du moins, récemment avec elle. C'est clair pour tout le monde? Donc, elle, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand son mari il est rentré à la maison, elle n'a pas dit à son mari directement que son fils il est mort, c'est bon? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé à manger, elle s'est embellie, etc. Elle a tout fait pour que lui il sache pas que le bébé il est mort. Et elle a fait en sorte de s'apprêter pour que Abu Talha, en fait, il se passe quelque chose entre lui et elle, c'est bon? Donc elle a fait à manger, elle a fait plaisir, elle l'a accueilli alors que son bébé venait de mourir, hein, tu vois, la force qu'elle avait, cette femme compagnon, elle a patienté, elle a pris sur elle et en plus de ça, elle a caché à son mari. Et après, il a mangé, machin, etc. Et après, ils ont passé la nuit ensemble. Ils ont fait le rapport intime. Et après qu'ils ont fait le rapport, etc., elle lui a dit de manière indirecte, elle lui a dit, recherche la récompense de la part de ton Seigneur pour ton fils. Et ça, en arabe, quand on dit ça, ça veut dire qu'il est décédé. C'est-à-dire, patiente et machin. Et là, Abu Talha, il s'est mis en colère. Elle t'a attendu que je sois dans les draps comme ça pour m'annoncer la mort de mon fils. Elle dit, en gros, tu m'as nourri, t'avais ça, nanana. Et genre tu m'as mis dans l'insouciance et tout ça. Et une fois que tu es terminé, tu m'annonces la mort de mon fils. Mais elle, pourquoi elle a fait ça? Elle était sur ce coup-là, elle était plus intelligente que elle a été plus patiente que son mari sur ce coup-là. Elle a fait ça parce que elle espérait que Dieu leur accordera un enfant qui remplacera l'enfant qui est décédé. C'est clair? Donc si dès le début de la soirée, elle a dit à son mari, ton fils, il est mort. Peut-être il va déprimer pendant 3 mois et vas-y après pour avoir un nouveau bébé. Donc elle, en fait, elle a espéré de cela qu'ils aient un nouvel enfant. Et pour pas que ça soit retardé, elle a caché le décès de son fils à son mari, le temps qu'il fasse ce qu'il faut, et après elle l'a informé. Vous avez vu la force qu'elle a? En plus, avoir le courage, ton fils il est mort, et toi tu as encore la force de t'embellir pour ton mari, et de pas montrer à ton mari aussi. C'est clair, mais c'est-à-dire qu'elle, c'était une femme pieuse, vertueuse, Umm Sulaym, on a déjà parlé d'elle le cours d'année, vous vous rappelez? Celle qui avait posé la question au prophète, certaines choses qui arrivent aux femmes et tout ça. Et le prophète l'a fait son éloge à Umm Sulaym. Parce que quand Umm Sulaym, elle a posé sa question au prophète, t'avais la femme du prophète qui était à côté, elle s'est mise à reprendre Umm Sulaym, elle a dit, mais malheur à toi, tu as dévoilé les femmes, comment tu dis ça au prophète? Le prophète, maintenant, tu as parlé de choses intimes chez nous, chez les femmes, tu dis ça à un homme, Annie? Et le prophète, il a dit, c'est toi plutôt qui fais attention à ce que tu dis.
Elle a eu raison de poser la question, même si c'est un truc qui était intime. Là, c'est Umm Sulaym. Et Abu Talha, bien sûr, c'est un compagnon parmi les Ansar qui a un grand mérite aussi. Mais dans cette occasion-là, Umm Sulaym, elle a fait plus preuve de patience que Abu Talha. Parce qu'Abu Talha, quand il a su la mort de son fils, il s'est mis en colère. Et il est sorti carrément. Alors elle, ça faisait des heures qu'elle savait que son fils était mort et elle s'est pas mise en colère, elle n'a pas montré sa tristesse, etc. Et en plus de ça, elle a pensé à son mari, elle a voulu préserver son mari, elle a fait en sorte qu'ils aient un nouvel enfant, etc. Et donc Abu Talha, il s'est mis en, sur le moment, il s'est mis en colère, il est sorti, il est parti voir le prophète, alayhi salam. Il a raconté au prophète ce qui s'est passé. Et le prophète, après, il a compris qu'ils ont fait le rapport durant la nuit, et il a dit, Barakallahu fi laylatikuma, il a dit que Dieu bénisse votre nuit. Il l'a invoqué. Et suite à cela, ben effectivement, Umm Sulaym, elle est tombée enceinte, et elle a eu un petit garçon. Elle a eu un petit garçon, alors il venait de naître. Et le jour de sa naissance, son grand frère, qui est donc, si vous suivez, Anas ibn Malik, il est parti avec son petit frère qui était encore un nourrisson, et il est parti voir le prophète, alayhi salatu wa salam, pour le jour de la naissance, pour annoncer la nouvelle que Umm Sulaym, elle a eu un petit bébé. Et le prophète, il a dit, est-ce que vous avez avec vous des dates? Il a dit oui. Et le prophète, il a dit, passe-moi une, il a pris une. Il l'a mâchée dans sa bouche. Après, il a ouvert la bouche du bébé. Et il a mis comme ça de la salive aux dates. En plus, c'est la salive du prophète. Hein, donc, je vous raconte pas la baraka. Et il l'a mis dans la bouche du bébé. Et le bébé s'est mis avec sa langue à récolter tous les morceaux de dattes. Et comme s'il était content, il a aimé comme ça. Et le prophète, ça lui a fait plaisir. Et il a dit, ça, c'est l'amour des Ansar qu'ils ont pour les dattes. Parce que les Ansar, la Médine, c'est pas comme à la Mecque, ils avaient beaucoup de dattiers, beaucoup de jardins de dattes jusqu'à aujourd'hui, alors qu'à la Mecque, il n'y a pas de plantes qui poussent beaucoup. Et donc les gens de Médine sont connus pour cultiver les dattes. Et en gros, c'est comme si tu disais, même leur petit bébé, ils aiment les dattes. Et quand il a vu que le petit bébé, il est là avec sa langue, il faisait le tour de sa bouche pour pas manquer une miette des dattes que le prophète l'a mis dans sa bouche, le prophète, il a dit, ça, c'est l'amour que les Ansar, ils ont pour les dattes. Et après, il a nommé cet enfant-là Ramdullah. Ça, alors, chacun parmi nous, qu'est-ce qu'il veut dire? Déjà, on a entendu une histoire aujourd'hui. D'accord? J'en ai quand même dire, bah, c'est une histoire, c'était joli, et puis on s'arrête là. Bah, les savants, ils ont tiré des jugements de ce hadith. Déjà que tu as le droit de nommer l'enfant le jour de sa naissance. Parce que le prophète, il a nommé Ramdullah, alors que la sunna, c'est au 7e jour. Mais c'est pas haram de le nommer le premier jour de la naissance, parce que le prophète, il a nommé Ramdullah le premier jour de la naissance du petit frère de Anas. Et ça prouve aussi que c'est sunna de faire le tahnik avec des dattes. Et ça prouve aussi que Ramdullah, c'est un beau prénom et que c'est sunna de donner ce type de prénom-là à nos enfants. Ramdullah, c'est le meilleur prénom qu'un être humain puisse avoir. Parce que dans Ramdullah, il y a le nom de Allah, le nom de Allah, c'est le meilleur mot. Le prénom Ramdullah, il est meilleur que le prénom Mohammed. Les meilleurs prénoms pour un homme, c'est Ramdullah et Abdurrahman. Parce que les meilleurs noms dans l'absolu, c'est Allah et Ar-Rahman. Sauf que Allah et Ar-Rahman, on nomme que Dieu avec. C'est clair? Donc ça, le tahnik, pourquoi on parle de ça? Parce que là, le petit bébé, n'est-ce pas qu'il a mangé, enfin, il a goûté à la datte, au sucre de la datte, ou à la salive mélangée à la datte, avant d'allaiter, n'est-ce pas? Mais ça, est-ce que c'était, comme on dit en arabe, à la jihati taradhi? Est-ce que c'était pour nourrir l'enfant qu'on fait ça? Non. C'est juste pour la baraka de la sunna, et pour que l'enfant, il ait un petit goût sucré dès sa naissance, qui... Inch'Allah, présage un bon comportement de la part de l'enfant. Donc ça n'abolit pas le jugement de l'enfant s'il urine, etc. C'est-à-dire que tu peux saupoudrer, asperger l'urine de ce bébé-là qui a eu le tahnik avec de l'eau. Parce que la datte qu'il a goûtée, même si c'était autre que le lait de sa mère, ça c'est pas d'une manière où c'était pour l'alimenter. Donc quand on dit qu'il faut que l'enfant il n'ait rien mangé autre que le lait de sa mère, ça veut pas dire dans l'absolu. C'est-à-dire qu'il n'ait rien mangé dans le but de s'alimenter autre que le lait de sa mère. Vous comprenez ce que je veux dire? Si le bébé tombe malade et tu donnes un petit médicament, le médicament tu le donnes pas pour le nourrir, tu le donnes pour qu'il guérisse. Bah également, s'il a mangé un médicament, ça va pas annuler le fait que tu peux asperger son urine. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est qu'à le bébé dont on peut asperger l'urine sans laver l'endroit directement. Bébé garçon qui a moins de 2 ans et qui a mangé que du lait maternel.
ou qui a que allaité du lait, c'est bon? Donc quelqu'un pourrait dire, ah bah lui, je lui ai fait le tahnik, donc c'est foutu, avant d'allaiter, il avait goûté à une date, donc je pourrais pas. Non. Parce que ça, c'est pas alimenté avec cela, c'était pas pour le nourrir que tu as fait ça. C'est clair? Donc tout ce qui est tel que médicaments ou le tahnik, ça rentre pas en considération pour le jugement qu'on parle de maintenant. Là, on considère que le bébé, il a consommé que du lait de sa mère. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que s'il manque une des conditions, ce sera plus valable de saupoudrer l'eau dessus. Il faudra que tu laves avec de l'eau. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Si c'est une fille ou si l'enfant il a mangé une petite compote avant la fin de ses 2 ans, et ben le fait qu'il a mangé une compote pour se nourrir, ça veut dire que son urine, tu seras obligé de l'éliminer comme l'urine d'un adulte. C'est ça que ça veut dire. Donc ça va en détail. On dit mais si c'est un médicament, ça compte pas parce que c'est pas pour se nourrir, pour s'alimenter. Si c'est le tahnik à sa naissance, ça compte pas non plus parce que c'est pas quelque chose qu'on fait pour alimenter l'enfant. Pour qu'ils prennent des nutriments de la nourriture qu'on est en train de manger. Ce qu'on appelle rida en arabe taradhi. Fahimta. Quand tu lui as donné une petite compote ou une petite purée, ben ça annule le jugement qu'on parle maintenant. Akmil. وأما البنت فبولها كبول الكبير وإن صغرت. Quant à la fille, bah, qu'elle soit bébé ou non, son urine est comme l'urine de la femme adulte. Donc là, on l'élimine. Bien sûr, quand on parle du bébé garçon, ça veut dire que c'est obligatoire que tu épandes de l'eau dessus sous forme de goutte. C'est-à-dire que si tu fais ça reste suffisant. Après, si tu veux laver, c'est ton droit de laver aussi. D'accord? Mais la fille, elle, dans tous les cas, si tu veux purifier l'endroit de son urine, il faut que tu laves comme n'importe quelle urine et comme n'importe quelle impureté. Qui a le même jugement. Même si c'est une fille qui a 1 an, 3 mois, 6 mois, etc. Ou une canate. وإن كانت بول آدمي غير الطفل الذكري فيطهر المحل بالإزالة عينها وطعمها ولونها وريحها بالماء المطهر. Donc c'était de l'urine d'un être humain, autre que le petit bébé, garçon, et autre que l'exception qu'on a citée au début, alors l'endroit sera purifié en éliminant le volume de l'urine, son goût, son odeur, sa couleur et son odeur, avec de l'eau purifiante. L'eau purifiante, c'est-à-dire que c'est pas de l'eau avec de l'eau de Javel ou de l'eau avec du savon, etc. Dans l'école de Chaféry. Alors chez les Malikites, qu'est-ce qu'il en est, William? C'est pas. Ah, t'es pas un vrai malikite alors. Donc, chez les malikites, il y a un avis qui dit kulluma que tout liquide décapant, abrasif, qui peut enlever l'impureté, c'est valable pour se purifier. Donc, chez les malikites, si la maman elle a passé à servir avec la javel, par exemple, tout comme ça, pour enlever l'urine du bébé et toute l'urine est partie, chez les malikites, c'est purifié. Mais cet avis-là, elle est juste pour purifier les endroits, pas pour le wudu, le roussoul, c'est bon? Mais chez les malikites, si quelqu'un prend du vinaigre, il verse du vinaigre par exemple sur l'impureté pour la faire disparaître, chez les malikites, même si c'est pas de l'eau mélangée, c'est du vinaigre carrément, tant que c'est liquide et que ça élimine l'impureté, chez les malikites, on peut considérer, selon c'est un avis chez les malikites, hein, parce qu'il y a beaucoup d'avis chez les malikites, selon un avis, tu peux considérer que l'endroit est purifié. C'est clair? Donc ça, c'est une facilité si tu sais que chez toi, ta mère, ou il fait le ménage avec tout le temps avec de l'eau de javel ou des trucs. Ou des produits ménagers, etc. Ou si tu sais que telle chose a été lavée avec la lessive, mais il n'y avait pas juste de l'eau tout seul, chez les malikites, ça reste valable, mais à condition que quoi? Que le liquide n'a pas été modifié par l'impureté et que l'impureté a disparu. Mais si l'impureté est toujours là, bien sûr, c'est pas purifié l'endroit. C'est clair, tout le monde, ça? C'est pour ça qu'il a bien dit l'eau al-mutahhir, l'eau qui est purifiante, c'est-à-dire que c'est l'eau qui n'a pas perdu son nom d'eau. Et qu'il n'y ait pas de l'eau utilisée aussi, comme on a vu dans les cours précédents. Voyez-vous, nous? ويسن التثليث في إزالة النجاسة وإذا عسر زوال اللون وحده أو الريح وحده عفي عنه. Donc, il est recommandé le tathlith, c'est-à-dire de tripler. Alors, Allah Ta'ala, comme c'est marqué dans les hadiths, Dieu, il est unique. Et unique en arabe, on dit watr, ou witr. D'accord? Unique. Et yuhibbul awtar, Dieu, il agrée les nombres impairs. C'est-à-dire que souvent dans la religion, tu complètes avec des nombres impairs. La prière du witr, chaque fois le witr, c'est impair. 2 raka'a, 1 raka'a. Par exemple, quand tu fais l'istinja, non, c'est pas ça. Quand tu fais l'istinja, le vol, c'est pair. Quand tu fais l'istinja aux toilettes, c'est recommandé que tu fasses un nombre impair.
Souvent, les nombres impairs reviennent dans la religion. C'est clair, mon tout le monde? Et donc, pareil pour les impuretés, c'est recommandé, même si elle a disparu au premier lavage, de faire trois fois, laver trois fois minimum. C'est bon? S'appelle le triplement. Bien, même si c'est une fois ça suffisait, c'est recommandé que tu complètes à trois. Alors, si au bout de trois, c'est pas éliminé, tu continues, bien sûr, mais c'est-à-dire que si c'est déjà éliminé, la sunna, c'est de faire trois fois. Tu laves trois fois avec de l'eau. C'est clair, mon monde? Et c'est pareil pour quand tu vas aux toilettes, on le reverra plus tard dans le chapitre d'Istinja. C'est recommandé, alors c'est obligatoire de faire minimum trois fois dans l'école de Chaféri, et c'est recommandé de terminer sur un nombre impair. Donc si tu as fait six fois, par exemple, bah, tu fais une sixième fois, une septième fois pour compléter un impair. Donc même quand tu veux éliminer une impureté sur ton habit, bah, c'est recommandé que tu laves trois fois. C'est bon? Yani le premier lavage t'élimine l'impureté et après tu rajoutes deux. C'est bon tout le monde? Et après là, quelqu'un pourrait poser la question, oui mais des fois on lave plusieurs fois et malgré le fait qu'on ait frotté, etc. Eh ben il reste par exemple l'odeur encore. C'est-à-dire, des fois t'as le bébé, il a vomi dans son body, t'as lavé le body, tout ça, il reste encore l'odeur du vomi. Mais il n'y a plus la couleur du vomi, ni le goût, mais juste l'odeur. Alors le sang, il y a des produits qui éliminent, mais en général quand tu laves le sang, ça fait une tache marron. Il n'y a plus le goût, il n'y a plus l'odeur, mais il reste la couleur. Donc les savants, Chaféri, il dit, s'il reste que le goût, il y a trois caractéristiques, goût, odeur, couleur, c'est bon. S'il reste que la couleur, c'est bon, la couleur. S'il reste que la couleur, il n'y a plus le goût ni l'odeur, et que toi, tu as lavé trois fois le truc en frottant bien, tu as bien frotté, et trois fois, tu as fait passer l'eau dessus, etc. Et malgré ça, le goût, le... Pardon, malgré ça, la couleur, elle persiste. Eh ben, t'as le droit de considérer que ton truc, il est purifié. C'est bon? Et pareil pour l'odeur. Si ton bébé, il a vomi sur son body. Donc toi, t'as lavé le body en frottant, sous l'eau. Trois fois, tu as lavé même sans savon. On parle pas avec du savon, là, on parle juste avec de l'eau. T'as bien frotté. Et trois fois, tu as passé sous l'eau en frottant, etc. Et malgré ça, même sans utiliser de savon, il y a encore l'odeur du vomi. Mais il n'y a plus la couleur du vomi, plus le goût du vomi. Mais il reste l'odeur dans le body. Eh ben, t'as le droit de considérer que le vomi a disparu et que le body est pur. C'est clair, mon tout le monde? Ça, c'est dans quel cas de figure, s'il reste que la couleur, c'est un des trois, c'est bon, que la couleur ou que l'odeur, c'est bon? C'est clair que c'est qu'il répète ce que j'ai dit. Si jamais il reste la couleur de l'impureté, enfin, l'impureté, enfin, malgré le lavage, malgré qu'on essaie de laver trois fois et tout, On l'avait trois fois en frottant, d'accord? En frottant, c'est clair? ben, l'impureté, elle est purifiée. Non, on dit pas l'impureté est purifiée. Éliminée. L'impureté, elle est éliminée. Éliminé, c'est bon? Et pareil pour l'odeur. Parce que purée, c'est-à-dire que l'impureté, tu l'as rendue pure. Non, d'accord. C'est pas juste pour embêter les gens, mais c'est juste, c'est que en religion, c'est important d'être précis. Donc c'est très bien. S'il reste que la couleur, on considère que l'habit est redevenu pur et que la couleur, elle est là, mais c'est comme s'il n'y a plus d'impureté. C'est clair? Ou alors que l'odeur, d'accord? C'est soit, mais si c'est les deux en même temps, c'est pas pur, d'accord? Si t'as à la fois la couleur et à la fois l'odeur, c'est-à-dire que l'impureté est toujours là. Mais si t'as que l'odeur tout seul, ou que la couleur tout seul, et que t'as bien lavé, et malgré ça, l'odeur elle persiste, ou la couleur elle persiste, par exemple, t'avais une chaussette blanche de sport, tu t'es blessé au foot, ton orteil l'a saigné, ça a une tache rouge dans ta chaussette blanche. T'as lavé plusieurs fois à l'eau, etc. T'as bien frotté, machin, après t'as mis la machine, machin, et puis après il reste une tache marron dans la chaussette blanche. Bah, t'as le droit de considérer que ta chaussette elle est pure et qu'il n'y a plus le sang dessus. C'est clair, mon tout le monde? Surtout le sang, c'est difficile à faire disparaître la couleur. En revanche, pour le goût, s'il reste que le goût, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'odeur ni la couleur, mais il reste que le goût, les savants ont divergé et l'avis le plus fort, c'est que si le goût est là, c'est que l'impureté est toujours là. Ils considèrent que le goût, c'est une caractéristique qui est trop forte. Et que si le goût est encore là, ça veut dire que l'impureté est toujours là. En revanche, si c'est que l'odeur, ou si c'est que la couleur, là, les savants, ils disent que si t'as bien lavé trois fois, etc., considère que c'est purifié. C'est bon, tout le monde? Donc, l'exception, elle est quoi? S'il reste que la couleur ou que le goût, d'accord? L'odeur, pardon, je crois que j'ai déjà su pourquoi. Que l'odeur ou que la couleur. Si c'est le goût,
Certains savants nous disent si c'est le goût tout seul, on considère que c'est pur. Mais l'avis le plus fort, c'est que le goût, c'est trop fort. Et s'il y a le goût, c'est que forcément, l'impureté est toujours là. Et si pareil, tu as 2 sur 3 qui sont là, là, il n'y a pas d'exception. On considère que l'impureté est toujours là. Si tu as le goût et l'odeur, ou le goût et la couleur, ou la couleur et l'odeur, là, on considère que l'impureté est toujours là. Donc il y a un hadith également pour faire plaisir à ce sujet-là, qui est rapporté par Abu Huraira, que Dieu l'agrée, qui l'a dit, Qala traoula, ya Rasulallah. فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. Donc là, c'était une question concernant le fait que la femme, elle a eu les menstrues, et dans le passé, elle se lingeait avec des tissus, tout ça. Donc s'il y a une tache de sang dans son habit avec lequel elle prie, c'est bon? Et qu'elle a lavé son habit, etc., comment elle fait? Donc, le prophète, dans l'islam, il a expliqué comment tu fais. Et après, la femme compagnon qui s'appelait Khawla, elle a dit, ô messager de Dieu, mais si le sang n'est pas parti, il y a toujours la couleur qui reste. Le prophète, alayhi salam, il a répondu, Yakfi kilma, l'eau te suffit, wala yadurruki atharuhu, et la trace du sang n'a pas de conséquence. C'est-à-dire que tant que t'as bien lavé 3 fois en frottant, etc., après, le reste, il n'y a pas de conséquence. C'est clair, mon tout le monde? Parce qu'il y a un autre hadith qui est rapporté de Asma, la fille d'Abu Bakr, As-Siddiq, radhiyallahu anha, an abiha, que le prophète, alayhi salam, a dit concernant le sang des menstrues qui souille l'habit. Il a dit, Tahuttuhu, thumma taqrusuhu bilma'i, thumma tandahuhu, thumma tusalli fihi. Et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ça veut dire, si la femme, son habit s'est taché avec le sang des menstrues, elle enlève son habit, elle le lave bien en frottant bien avec l'eau, elle frotte bien dessus, elle gratte avec son ongle, avec quelque chose, la tache. Après, elle essore l'habit, tout ça, et après, elle peut faire la prière dans cet habit-là. C'est bon? Donc, Raoula, qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle dit oui, mais s'il y a encore la trace du sang. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ben, l'eau te suffit, et la trace qui reste, elle n'a pas de conséquence. Parce qu'elle a fait l'écosse pour purifier, elle a bien frotté, elle a bien gratté, elle a passé 3 fois sous l'eau, et malgré ça, la couleur est restée toute seule. Là, c'est parmi les arguments que les savants ils ont utilisés pour dire que si la couleur toute seule elle demeure, ou si l'odeur toute seule elle demeure, t'as le droit de considérer que ton habit est purifié. C'est bon, mon tout le monde? Et comme on a dit, la sunna, c'est de laver 3 fois. Et la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, on parlera de l'impureté canine et porcine. Donc on reviendra à ce qu'on avait vu. De ce qu'on a déjà vu, c'était déjà dans le livre. Et on expliquera comment on fait pour le chien et le porc. Et si vous voulez, je vous citerai aussi les hadiths, certains hadiths qui sont relatifs à cette question-là. Tout le monde a compris ce qu'on a vu aujourd'hui? Donc, il y a des informations, mais toi, tu as le livre à la maison, tu révises dedans, tu relis plusieurs fois, tu complètes tes notes avec les audios si tu as envie. Travaille-le et vous verrez, après, en réalité, c'est facile. Une fois que tu as assimilé, après, tu arrives à l'appliquer. D'accord? Donc ce cours-là, après, c'est important de savoir l'appliquer pour chez toi, le jour où tu as des enfants, le jour où il y a une impureté, bah, tu sais comment faire avec cette impureté. Est-ce qu'on a des questions sur ce qu'on a vu? Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad ashrafil mursalin subhanallahi wa bihamdihi la quwwata illa billah ma sha'a Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم وأصلي وسلم. On se prépare pour la prière, inshallah.